Quel est le lien entre la motivation et le potentiel? Ou encore, comment faire quand l'on a l'impression de ne pas être motivé? Comment atteindre son potentiel si on n'est pas motivé? Mesdames et messieurs, comprenez-le une fois pour toutes, la motivation est un leurre. La motivation est un leurre. Une personne qui attend d'être motivée pour faire les choses décide de fonctionner un peu comme une feuille qui est laissée balancer par les flots des vents. Il est important pour une personne de déterminer ce qu'elle veut être, ce qu'elle veut faire de sa vie, trouver son pourquoi, trouver sa raison de vivre et à partir de là, s'engager à y arriver. Et que vous soyez motivé ou non, je peux comprendre qu'on ait des moments où on n'est peut-être pas à fond, mais une fois qu'on a compris pourquoi on est là et ce vers quoi l'on se dirige, à partir de ce moment-là, il y a une force intérieure en vous qui vous pousse. Et même lorsque vous êtes fatigué, vous ne faites que vous reposer pour un moment et vous reprenez de plus belle parce que vous savez que finalement, le but, c'est que vous puissiez avancer. Parce que si vous n'avancez pas finalement, vous ne faites qu'exister et vous ne vivez pas. La motivation, c'est bien quand vous l'avez, mais il ne faut pas être dépendant de la motivation. Soyez dépendant de ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous. Allez justement le raviver. Et pour le raviver, il y a certains outils qui peuvent vous aider, notamment celui que je vous partage demain. À demain!